Maintenant, on en vient au chiisme, qui n'a rien à voir avec le niveau étymologique avec le schisme, même si ça, hein, ça ressemble. Ça vient d'un terme arabe, qui veut dire partisan. En fait, les chiites, ce sont les partisans d'Ali. Voilà. Alors, rassurez-vous, le chiisme, c'est aussi très complexe. Parce que, comme le sunnisme, ce n'est pas une doctrine unifiée, uniforme, il se subdivise aussi en de multiples courants. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un islam quand même foncièrement spirituel, beaucoup plus spirituel que juridique, hein, par rapport au sunnisme. Et ça, c'est Henri Corbin qui l'a très bien montré, qui a fait découvrir en fait à l'Occident ce qu'est le chiisme iranien, hein, dans la lignée de Louis Massignon. Et donc ça, évidemment, si on lit Henri Corbin, on va être en contact avec un islam absolument magnifique, lumineux, basé sur la connaissance, sur l'amour, sur le fait de transmettre ce qu'il y a de plus beau, hein, dans des messages du prophète et de ses successeurs. Et ce que l'on va retrouver aussi un petit peu dans le soufisme, hein, dont on parlera la semaine prochaine. Donc un islam spirituel où le croyant n'est absolument pas soumis, mais il est l'auteur de sa propre évolution et de sa propre progression, hein, spirituelle. Mais, force est de constater que le chiisme a aussi donné une forme particulière d'islamisme radical, politique, dont on a, nous, en Occident, eu conscience, hein, de manière assez brutale, en 1979, en Iran, avec l'imam Khomeini. Hein, d'autant plus qu'il était passé par chez nous, donc c'est vrai qu'à Nofle-le-Château, on s'est un petit peu rendu compte tardivement de la bombe, hein, que représentait cet imam, parce que lui, il s'est vraiment placé dans la lignée d'un chiisme politique, hein, extrêmement rigoureux. Et c'est vrai que cet chiisme politique et radical vient concurrencer les volontés politiques des sunnites dans leur ambition de restaurer le califat, hein. Donc, dans son aspect le plus spirituel, le chiisme est un tout autre islam, hein, que le sunnisme majoritaire. C'est pour ça que, par rapport à la question, est-ce que ce sont deux courants ou est-ce que ce sont deux religions différentes, on a presque l'impression que ce sont deux religions différentes, mais c'est uniquement dans l'aspect le plus spirituel du chiisme. Mais dans sa version sécularisée et politisée, le chiisme finalement se rapproche du sunnisme. Et il y a donc des courants qui sont aussi radicaux et fanatiques, hein, chez les chiites aujourd'hui que chez les sunnites. Simplement, globalement, on en parle un peu moins parce que en population, ils sont minoritaires. C'est-à-dire que c'est le piège du politique, c'est le domaine du politique qui est finalement les fait se retrouver comme adversaires beaucoup plus que des éléments religieux. Là, il ne faut pas se tromper. Donc aujourd'hui, ce sont deux versions sécularisées et politiques qui s'affrontent. Hein, quand on dit les chiites contre les sunnites, c'est les petites fractions extrêmement radicalisées, politisées et sécularisées qui s'affrontent. Et malheureusement, les médias ne parlent que de cela, que c'est-à-dire des plus radicaux. Il faut bien être conscient que la grande majorité des sunnites veulent vivre leur foi tranquille. Et c'est pareil pour les chiites, n'en parlons pas des soufis, qui eux ont toujours une voix extrêmement de tolérance et d'ouverture. Donc, pour ces chiites, comme pour les sunnites, le prophète Mahomet représente le sceau de la prophétie, hein, c'est-à-dire ce qui va sceller la prophétie, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Ça, c'est commun.
Mais pour les chiites, ce terme final de la prophétie, ce sceau de la prophétie, en fait, ouvre un nouveau cycle qui est le cycle des imams. C'est-à-dire que pour les chiites, certes, Mahomet est le dernier des prophètes, mais ses successeurs sont les imams, dont le premier est le fameux Ali, et deuxième et troisième, ses fils. C'est-à-dire qu'il y a là une continuité, une prolongation du cycle de des prophètes par les imams. C'est pour ça que l'imam est une figure centrale, majeure, dans le chiisme. Ce n'est pas simplement, comme pour les sunnites, celui qui dirige la prière. Enfin, n'importe qui à la limite, peut diriger la prière. C'est le guide inspiré. Et qui, lui aussi, va devoir prouver qu'il fait partie d'une chaîne. Vous vous rappelez, la chaîne des garants de transmission. C'est-à-dire qu'ils se raccrochent tous, par filiation, aux premiers imams. Donc Ali, Hassan et Hussein. Donc ce qui est clos pour les chiites, c'est une sorte de prophétie législatrice, c'est-à-dire, bon, certes, ces prophètes, ils ont donné les lois, bon, mais maintenant, ceux qui doivent maintenir, entretenir le lien, ce sont les imams. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'imama. L'imama, imama, c'est-à-dire ceux qui vont transmettre ce message des prophètes. Donc, les imams du chiisme sont les héritiers des prophètes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas simplement les héritiers du prophète Mahomet, mais de tous les prophètes. Et il y a en fait 5 grands prophètes pour les chiites. Il y a Noé, Abraham, Moïse, Jésus, bien sûr, qui est très important, et Mahomet. Et parfois même Adam, qui est représenté comme le premier des prophètes. Donc, les imams chiites sont les héritiers des prophètes. Donc, vous voyez, les prophètes, là, on rassemble les trois religions du livre, les trois grands monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Et chacun des grands imams officiels qu'on va voir est tour à tour ce qu'ils appellent le mainteneur du livre. C'est-à-dire, c'est lui qui, par sa qualité, ses vertus personnelles, est capable d'être un canal et donc de continuer à faire vivre, et donc à interpréter, et à faire vivre les paroles révélées du Coran et ils n'ont pas du tout la même conception des hadiths. J'y viens. Donc, on peut dire que le rôle de l'imam, c'est d'expliciter et surtout de transmettre à ses disciples le sens caché de la révélation. C'est-à-dire, on peut parler d'un ésotérisme de l'islam avec le chiisme, vraiment dans son acception la plus originelle et la plus fidèle aux origines. C'est un ésotérisme parce qu'il s'agit de comprendre et de révéler le sens caché des sourates, notamment des sourates du Coran. C'est-à-dire que le sens du Coran n'est pas évident. C'est pour ça qu'il va y avoir un rapport au Coran très, très différent que celui qu'ont les sunnites avec le Coran. Donc, le chiisme peut être considéré comme l'ésotérisme de l'islam qui découle avant tout de l'enseignement des imams. C'est-à-dire que les imams ont vraiment un rôle majeur dans le chiisme. Donc, la pensée chiite ne se laisse pas enfermer ni par le passé historique, ni par la lettre des textes, ni par cet aspect rigoriste ou un peu dogmatique dans lequel peuvent tomber les sunnites. Donc, pour un chiite, le Coran est muet et l'imam est l'exégète. Je m'explique. Puisqu'il y a eu au début du chiisme une accusation par les chiites que le Coran
tel qu'il a, il s'est peu à peu constitué. Hein. Rappelez, le Coran officiel, notamment avec le troisième calife Outhman, était un faux Coran. Et d'après les sources chiites les plus anciennes, eh bien, il y aurait un Coran intégral rassemblé par Ali à la mort du prophète et qui aurait été un petit peu caché à cause de l'opposition des premiers califes sunnites. Et donc, les chiites ont toujours dit que ce Coran officiel contenait de nombreuses omissions, des ajouts, il avait été constitué et qu'il ne pouvait pas représenter le vrai Coran. Comme les chiites ont été très vite persécutés en tant que minorité par les sunnites, ils ont abandonné cette accusation de faux Coran ou d'un Coran qui n'était pas le bon. Hein, et ils ont conservé quand même l'idée que le Coran est un livre muet, sans une herméneutique qui en dévoile le sens caché. C'est-à-dire que le Coran est un texte qui doit être interprété. Sinon, il est muet dans le sens où il dit rien, il n'explique rien, il ne transmet rien. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité impérieuse d'interpréter, de vraiment de comprendre le sens caché. Il a plusieurs lectures. Bien sûr, comme tout texte sacré, on sait qu'il y a plusieurs clés, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Pour les chiites, c'est quelque chose d'évident et qu'il va bien falloir un intermédiaire, un intercesseur, qui est l'imam, pour expliquer aux fidèles, aux croyants, quel est ce sens caché. C'est très très différent parce que ce sens caché, il n'est jamais, on n'a jamais fini. Vous savez qu'avec une herméneutique, une interprétation, l'exégèse, elle est toujours ouverte. Ça, c'est ce qui caractérise le chiisme, qui est évidemment extrêmement différent du sunnite, qui va se référer souvent à une interprétation qu'on appelle parfois littérale, au pied de la lettre du texte, sachant que, comme on l'avait vu la semaine dernière, ça j'y reviens pas, c'est extrêmement, avec la langue arabe tant plus, c'est très très compliqué d'avoir une unicité de compréhension et d'interprétation. Oui, excusez-moi, justement le gouvernement français voudrait qu'il y ait des imams qui soient formés en France pour enseigner. Mais est-ce que cette... Attention, là on ne parle pas des mêmes imams. Parce que les sunnites emploient le terme imam. Quand on parle des imams de France, en France, et qui ne doivent plus être formés par le Maroc, mais par d'autres instances, on parle des imams sunnites. Puisque les sunnites emploient aussi ce terme d'imam, qui est celui qui dirige la prière et bien sûr qui est censé aussi connaître un petit peu le Coran. Mais vous voyez bien que cette impérieuse nécessité de connaissance, de formation, d'interprétation, elle est beaucoup plus forte chez les chiites que chez les sunnites. C'est pour ça qu'un imam sunnite peut s'auto-proclamer imam, puisque il est un peu charismatique et qu'il connaît deux, trois choses, il peut diriger la prière. Diriger la prière, ce n'est pas très, très compliqué. Ça n'a rien à voir avec l'exigence des imams chiites. D'accord ? Donc, le problème, c'est que c'est le même mot qui est employé et ce n'est pas du tout, du tout la même signification. Donc le Coran est vous voyez, c'est plus le Coran incréé, révélé, qui est la parole divine et donc à laquelle on ne doit pas toucher, on comprend, mais bon, je peux appliquer. C'est le livre muet, sans une interprétation qui en dévoile le sens caché, et là l'imam est le seul maître autorisé à interpréter. Donc cette exégèse chiite du Coran, elle est contenue dans des recueils, dans de volumineux recueils, qui rassemblent les interprétations, surtout des premiers imams,
qui rapporte parfois des paroles du prophète, mais surtout qui donne les interprétations des imams. Et c'est ça qu'on appelle dans le chiisme les hadiths. Donc c'est le même nom, simplement ça n'a rien à voir. Puisque dans un cas, les hadiths, c'est les faits et gestes du prophète, hein, auxquels on se réfère vraiment constamment, et chez les chiites, c'est les interprétations des imams, interprétations du Coran. Où, évidemment, la figure du prophète, elle est un peu mise en arrière-plan. On ne se réfère pas qu'aux faits et gestes du prophète, on se réfère au Coran et surtout aux interprétations qu'on en fait les imams. Donc c'est une compilation énorme aussi, mais qui n'a rien à voir avec les hadiths sunnites. Donc pour les chiites, les saintes écritures, les fondements de la foi, c'est le Coran et quatre recueils canoniques de hadiths, donc des interprétations des imams, ce qu'on appelle des hadiths imamites, d'autres ouvrages aussi attribués aux imams, et vous voyez qu'il n'y a absolument pas le volet juridique, qui, chez les sunnites, explique ce qui doit être fait dans les circonstances de la vie. Donc lorsque les chiites emploient le terme sunna, parce qu'ils l'emploient, le terme sunna, qui veut dire tradition aussi, il est entendu que pour eux, cette sunna est essentiellement, bien sûr le Coran, mais l'enseignement intégral des imams. Donc, évidemment, c'est une différence majeure, qui est à la fois historique et théologique, et c'est ça qui est à l'origine des fameuses excommunications violentes, aujourd'hui, prononcées par certains prédicateurs sunnites extrémistes, les fameuses fatwas, puisque pour les sunnites, les chiites sont des usurpateurs. Pour les sunnites, les chiites sont des usurpateurs. Et pour les chiites, les sunnites sont des usurpateurs. Donc ce sont des faux musulmans. Et ce que reprochent les sunnites, surtout aux chiites, c'est qu'ils placeraient finalement Ali, c'est-à-dire le premier imam, au-dessus du prophète. Et vénérerait un autre Coran. Voilà, c'est les deux grandes accusations. Il renvoie le prophète Mahomet à arrière-plan par rapport à Ali, et il s'agit d'un autre texte qui est vénéré. Même si le texte en lui-même est le même, mais il y a eu des époques où c'était carrément un autre texte coranique que le Coran suit. Chez les chiites, il n'y a pas de volet juridique, dis-tu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de charia? Bien sûr, il y a là aussi, emploie le terme charia. La même, ou pas du tout? Mais la charia, vous voyez, c'est un mot un peu fourre-tout. La charia, c'est la voie. Donc, dans cette voie, les sunnites vont y mettre certaines choses. Ils vont y mettre le Coran, les hadiths sunnites et ce fameux consensus juridique. Et les chiites, quand ils vont parler de charia, ils vont parler de l'enseignement des imams. Tout ça, c'est la charia. Le problème est qu'aujourd'hui, on emploie à tort et à travers le terme charia. Et en général, quand on l'emploie, c'est pour le côté le plus rigoriste de la loi, avec les châtiments, et, parce que, bien sûr, c'est ça qui provoque la peur ou la réprobation. Mais charia, c'est la voie. Donc, c'est quelque chose à géométrie complètement variable. Il semble que chez les chiites d'Iran, la charia ressemble assez à la charia. Pourquoi? Parce que, là, je vous parle du chiisme originel. Mm-hmm. Pourquoi aujourd'hui ils se retrouvent finalement avec les mêmes extrémistes, c'est qu'ils se situent tous les deux dans le registre politique. Et c'est ça qui a fait perdre au chiisme, en tout cas de ce qu'on en voit, ce côté hautement spirituel. Mais bon, aujourd'hui l'Iran est quand même en train aussi de bouger pour prendre un petit peu de distance. Vous voyez, on reçoit quand même aujourd'hui le président iranien.
alors que Ahmadinejad, on ne l'avait pas trop reçu. Donc bon, c'est en train d'évoluer. Et il y a une sorte de libéralité dans la société iranienne qu'il n'y a pas dans la société de l'Arabie saoudite. Enfin, et ce qu'on verra avec les soufis la semaine prochaine, c'est qu'eux, ils ont été persécutés par les deux. Par les sunnites et par les chiites, parce que ce que les chiites vont reprocher aux soufis, c'est de ne pas suffisamment donner justement du pouvoir aux imams, et que eux, c'est les cheikhs, c'est-à-dire les chefs des confréries soufis, puisque les soufis sont organisés en confréries, et celui qui est le guide, c'est le chef de la confrérie. Donc, c'est toujours un combat pour savoir qui est le plus légitime dans cette transmission et qui est le plus fidèle au prophète ou à son descendant direct Ali. C'est vraiment et vous allez voir qu'à l'intérieur du chiisme ça va se reproduire. Bon, donc je continue. Donc le chiisme, hein, ça vient de l'arabe chia qui veut dire les adeptes, les partisans, et donc ça, les chiites sont tous ceux qui se rallient à cette idée de l'imama, hein, en la personne du premier imam Ali et de ses deux fils, qui sont donc du coup, hein, les petits-fils, donc descendance mâle du prophète Mahomet. Donc le mot imam chez les chiites, c'est celui qui se tient ou marche en avant. C'est vraiment le guide canal, le guide inspiré. Celui qui est capable de faire évoluer, disons, ses disciples. Alors, on a dans le chiisme, là aussi un peu une mosaïque, hein, mais on a deux grands courants. C'est un petit peu plus simple, on a deux grands courants. Ce qu'on appelle le chiisme majoritaire, donc celui qui, hein, en nombre de croyants, est dominant, c'est ce qu'on appelle le chiisme duodécimain, parce que duodécimain, c'est le nombre 12, il va reconnaître une lignée de 12 imams. 12. 12 imams à partir donc du premier, qui est Ali, bien sûr, Hassan et Hussein. 12 imams. Et on va voir ce qui va se passer au 12e. Et puis on a le chiisme minoritaire qui est dit septimain, donc basé sur le nombre 7, qu'on appelle aussi ismaélien. En général, on emploie ce terme, ismaélien, qui lui va reconnaître 7 imams. Vous avez deux grands courants, l'un qui en reconnaît 12, donc ça va plus loin, et un autre qui n'en reconnaît que 7. Donc, il y a un moment où il y a un chiisme. Ils sont véhéments entre les deux. Véhéments, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est autour de l'enseignement des 4e, 5e et 6e imams, donc après la mort d'Hussein, hein, 4e, 5e et 6e imams, que se sont constitués les grands thèmes de la foi chiite, enfin de la doctrine chiite. C'est-à-dire qu'on a dans le chiisme un tronc commun important sur lequel tout le monde adhère, hein, et qui quand même assure une certaine cohésion des différents courants, hein, incontestablement. Mais il y a quand même des différences qui vont se montrer au niveau historique, hein, important. Mais disons qu'ils ne se font pas la guerre. Là, oui, c'est très majoritaire. Ça doit être aujourd'hui 90%, hein, du duodécimain et 10% d'ismaéliens. Alors, l'histoire, elle est intéressante. Je vais vous raconter l'histoire, puis on fera la pause. Donc, la séparation entre ces deux principaux courants, hein, du chiisme, deux principales branches, s'accomplit lorsque le sixième imam, hein, Jaffar, qui s'appelle Jaffar, meurt en 765. Et c'est toujours la même histoire. L'imam meurt,
qui est légitime pour lui succéder? Jafar. J-A-F-A-R. Sixième imam. Il meurt en 765. Alors c'est vrai que c'est un concours de circonstances, c'est quand même assez incroyable. Son fils aîné, Ismaïl, à retenir puisque c'est ça qu'il va donner, était décédé prématurément avant lui. C'est-à-dire que son fils meurt avant lui. Bon, c'est pas dans la logique des choses. Parce qu'évidemment, c'était Ismaïl qui devait succéder et devenir le septième imam. Mais il meurt avant lui. L'investiture donc de l'imamat revenait-elle soit au fils d'Ismaïl, qui s'appelait justement Mohammed, bon, ou bien l'imam Jafar, donc le sixième, avait-il le droit, usant de sa prérogative, de reporter l'investiture sur un autre de ses fils? Moussa Kassem, qui était le frère cadet d'Ismaïl et qui lui était toujours vivant. Et c'est ce qui va être fait. C'est-à-dire que le septième imam va être le frère cadet d'Ismaïl. Vous voyez, c'est encore un problème de lignée familiale. C'est le septième imam, pour certains, c'est le fils du sixième, hein, le fameux Moussa Kassem. Et pour les autres, c'est son petit-fils. Fils ou petit-fils du sixième imam. Et les Ismaéliens vont reconnaître Ismaïl, c'est-à-dire le fils du sixième imam, comme descendant légitime. Et il se rallie à son jeune fils, donc Mohammed Ismaïl, qu'il considère comme le septième et dernier imam. C'est-à-dire, il reste partisan de ce fils mort prématurément, du sixième imam, et ils vont donner l'investiture du septième imama à son propre fils. C'est pour ça que ça s'arrête à sept. Pour les Ismaéliens, parce qu'après c'est terminé. Disons, les principaux imams hein, qui sont reconnus s'arrêtent là. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas appeler imams tous ceux qui vont succéder, mais les véritables imams officiels sont donc au nombre de... Et donc ces Ismaéliens vont se séparer du courant majoritaire qui lui se rallie au nouvel imam investi par le sixième, frère d'Ismaïl, devenu le septième imam, donc Moussa Kassem, qui continue Moussa. La lignée des imams, jusque, comme on le verra, au douzième. Jusqu'au douzième imam, où là il va y avoir, pour les duodécimains, ce fameux concept d'occultation avec la notion de l'imam caché. Mais ça, c'est pour les duodécimains qu'il y a cette occultation, cet imam caché qui doit revenir un jour, où il doit y avoir une parousie, de nouveau, hein, l'imam de la résurrection, qui est en attente, c'est une sorte de messie à... Pourquoi ce douzième pose problème ? Parce qu'il va être, caché. Il va se cacher, il va se retirer, on va dire. Du monde de la manifestation en attendant une révélation plénière au moment de la résurrection. Non. Donc, voilà le schisme hein, entre les Ismaéliens, donc qui ne reconnaissent que jusqu'au septième imam la lignée hein, de transmission, et les duodécimains qui vont jusqu'à 12. Alors, évidemment, vous voyez bien que c'est aussi très symbolique tout ça. Hein, les nombres 7, 12, pourquoi 12? Parce que pour les duodécimains, il fallait 12 imams pour constituer ce qu'ils appellent le plérôme complet de l'imamat. 12, pour eux, c'est le symbole de la totalité.
C'est-à-dire il fallait 12 hein, pour constituer une sorte de totalité, une unité, et qu'après, bon, bah, c'est autre chose qui se passe. Pour les Ismaéliens, c'est 7. Bon, c'est aussi un nombre symbolique qu'on trouve dans beaucoup de traditions. Et, disons, ça s'arrête là. Donc, c'est toujours une différence dans la reconnaissance de qui on reconnaît comme légitime dans la succession du pouvoir. Et pour les chiites, c'est particulièrement important, puisque ce n'est pas simplement un pouvoir, c'est pas tant un pouvoir temporel qu'un pouvoir spirituel. Donc, c'est ça qui va donner cette différence. Donc, les duodécimains vont continuer la lignée des imams hein, jusqu'à ce qu'on appelle la grande occultation du 12e imam, qui va se dérouler en 940. Donc, de toute façon, en 940, on n'a plus d'imam. Réellement, enfin, hein, dans le sens plénière du terme, pour les chiites, certains sont en attente. Ils sont toujours, oui, les duodécimains. C'est très intéressant parce que c'est assez proche de la vision judaïque, hein, où on est toujours en attente du Messie. Et puis nous aussi. Bon. Nous, on a Jésus quand même qui est chrétien. Il va revenir, la grande parousie. Oui. Mais lui, il est déjà mort et ressuscité. Il a déjà vécu des choses. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Mais ça, c'est très très important pour les duodécimains, comme on le verra, cette notion d'occultation. Parce qu'à partir du moment où l'imam s'est occulté, enfin, est caché, la responsabilité revient aux hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau, dans le sens de développer le sens de la responsabilité, de la transmission de la foi, en attendant le retour ou la parousie de l'imam caché. Donc, vous voyez que quand on dit l'islam, c'est la soumission, c'est hein, enfin, ce que veut dire hein, le terme islam, c'est vrai. Dans le chiisme, il y a vraiment... pas cette notion de soumission, chacun est l'auteur de son destin, chacun est responsable de cette transmission, surtout depuis cette occultation. Donc c'est vraiment une vision différente. Et le statut des imams actuels, ça c'est quoi ? C'est un chiisme qui s'est énormément éloigné de tout cela, puisque là, c'est une vision politique, enfin aussi mondialisation, hein, des enjeux mondiaux, mondialisés, et où finalement il se rapproche d'une interprétation assez rigoriste et oui, ils se sont rapprochés du sunnisme de ce point de vue. Puisque les premiers imams avaient décidé le côté apolitique de l'imamat, c'est-à-dire que l'imam était un guide spirituel qui n'avait rien à voir avec le pouvoir temporel. Et donc ça s'est transmis comme ça jusqu'à cette occultation. Et après, je dis en Iran particulièrement, à partir du XVIe siècle, les chiites reviennent sur le terrain du pouvoir politique. Et là, c'est donc un éloignement radical du chiisme originel. C'est pour ça que le conflit aujourd'hui entre chiites et sunnites est si violent, parce qu'ils sont sur le même terrain. Ce qui n'était pas le cas, ce n'aurait pas dû être le cas si les chiites étaient restés fidèles au chiisme originel. Et les sunnites, eux, oui, ils ont toujours dit qu'ils voulaient restaurer le califat initial, originel, hein, des 4 premiers califes. Donc là, l'ambition politique, économique des sunnites, elle est clairement affichée. Pour les chiites, c'est relativement récent. Les ismaéliens, ils ne sont pas politisés. Beaucoup moins. Beaucoup moins, parce qu'ils sont très peu nombreux aussi, enfin beaucoup moins nombreux, il n'y a pas les mêmes... C'est une partie des Ismaéliens, oui, une partie des Ismaéliens qu'on appelle les Nazarites, puisque les Ismaéliens, évidemment, se sont subdivisés en multiplicité de courants, bien sûr, comme les duodécimains, et l'Agacan, c'est 25 millions de fidèles, c'est-à-dire vraiment très très peu, et c'est ce qu'on appelle les Nazarites. Donc c'est une partie des Ismaéliens.
Donc c'est un pouvoir très... Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, on fait une petite pause. Duodécimain, chiisme, ismaélien. Donc l'ismaélisme, je parlerai davantage du chiisme duodécimain. En ce qui concerne l'ismaélisme, il faut savoir que, en tant que courant minoritaire aussi, il a nourri un certain nombre de mouvements révolutionnaires, hein, dans l'histoire de l'islam. Alors, je vais vous donner les noms parce que c'est peut-être des noms que vous connaissez. Donc, dans le courant ismaélien, hein, le courant minoritaire des sept imams, on a les karmates, Q-A-R-M-A-T-E-S, qui fondent un état à Bahreïn vers 900, hein, qui vont piller la Mecque en 930 avant d'être dispersés au cours du 11e siècle. Donc là, c'est un petit courant de l'ismaélisme, mais qui ne va pas durer très très longtemps. On a les Fatimides, qui sont une dynastie ismaélienne, et paradoxalement aussi califale, avec des califats ismaéliens, qui vont conquérir l'Égypte en 969 et qui vont fonder le Caire. Et cette dynastie va disparaître quand Saladin conquiert l'Égypte en 1171. En 969, oui. Et il disparaît en 1171 lorsque l'Égypte est conquise par Saladin. Donc les Fatimides, hein, qui se rattachent aussi à cet Ismaël. Bon, plus connu, les Druzes. Les Druzes, qui voient dans un des califes fatimides leur messie. Alors eux, c'est très paradoxal parce qu'ils ne se considèrent pas complètement chiites, mais bon, c'est un peu ambivalent. Et c'est eux qui vont s'installer au Liban, en Syrie et en Palestine. Hein, et encore aujourd'hui au Liban, vous savez, dans la fameuse succession des responsabilités politiques, il y avait à un moment donné les Druzes qui... Et on a les fameux Nizarites, les Nizarites, Palestine, Syrie, Liban et Palestine. Et les Nizarites qui ont été appelés les assassins par les croisés, les Nizarites, qui forment un groupe messianique, donc là aussi en attente du Messie. Issu d'une lutte de succession, hein, au sein de la dynastie fatimide, c'est compliqué. Mais donc cette communauté nizarite connaît un épisode messianique intense, ce qu'on appelle la grande résurrection, puisque là ils étaient en attente de cette résurrection de l'imam, en 1164. Et ce mouvement va s'effondrer après la destruction de la forteresse d'Alamout. Ça, c'est un épisode assez connu par les Mongols. C'est les Mongols qui mettent donc fin, quelque part, à ce courant des Nizarites. Mais il y a quand même des communautés Nizarites qui se reforment, qui deviennent tout à fait quiétistes, enfin tout à fait tranquilles, et qui vont s'installer au Pakistan, en Inde, en Afrique de l'Est et aussi au Moyen-Orient. Et ce sont ces quelques communautés qui sont regroupées autour de la figure de l'Aga Khan. Hein, donc il représente quelques 25 millions de membres. Vous voyez, c'est quand même très minoritaire. Les Nizarites, ils font partie des Nizarites. Alors il y a une mosaïque de communautés, hein, issues de ces Nizarites, mais c'est ce à quoi ils se rattachent. Alors... Les imams vont se succéder. Là, on parle des ismaéliens, donc qui s'arrêtent au 7e, mais les imams pour les autres vont se succéder. Et on a les alaouites, dont on parle beaucoup aujourd'hui, les alaouites. Non, qui c'est plus les ismaéliens, c'est ceux qui viennent après. Hein. C'est les duodécimains. Non. C'est entre les septimains et les duodécimains, puisque les alaouites, ils vont se considérer descendants du disciple du 11e. Eux, ils s'arrêtent au
disciple du 11e imam mort en 874. Et ces alaouites, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'ils comptent pour environ 10% de la population de Syrie. Hein, et la famille Assad et la majorité en fait des dirigeants de l'État syrien appartiennent à cette confession alaouite. Donc en fait ils sont ni septimains ni duodécimains. Eux ils se rattachent encore à un autre imam au 10. Hein, oui. Bien sûr, il y a une solidarité chiite au-delà des courants, hein, c'est clair, puisque ce sont des chiites. Oui, oh, surtout au Liban et en Syrie, effectivement, on parle des alaouites. Ils sont du côté des chiites aussi. Oui, oui. Non, mais maintenant, ils se battent avec les chiites. Oui, oui, oui. Oui, disons que ce qui, malgré la différenciation des courants au sein du chiite, il y a quand même cette, comme j'ai dit, c'est le corpus chiite, c'est constitué hein, au moment des 4e, 5e et 6e imams, donc c'est ça qui prévaut hein, par rapport au fait de se considérer en filiation directe avec le 6e, le 7e, le 11e ou le 12e imam. Bachar el-Assad et Alaouite. La famille Assad et Alaouite. Alors, enfin, donc, le courant majoritaire du chiisme, les chiites duodécimains, donc, reconnaissent, eux, la lignée complète, hein, la totalité de la lignée des 12 imams, et cette notion, donc, d'imam caché. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette idée de l'imam caché, hein, qui est très, très importante pour les duodécimains. Et qui, d'une certaine manière, ne pouvait se passer, comme je disais tout à l'heure, qu'au 12e, puisque 12 est un nombre lié à la totalité, hein, quelque part. Et donc, c'est ce 12e imam qui va clôturer le cycle de l'imama. Hein, et c'est lui qu'on appelle le Messie. Alors, il est aussi surnommé l'imam de la résurrection. Et il y a une littérature absolument énorme, hein, toute une hagiographie de ce 12e imam concernant sa naissance et son occultation. Alors, quelle est l'histoire de cet imam caché? En fait, le 11e imam, vous voyez, c'est un peu toujours la même histoire, le 11e imam meurt à l'âge de 28 ans. Et le même jour... Oh, il meurt, disparaît son jeune fils, alors âgé de 5 ans, qui est lui, en fait, le 12e imam. Donc le 11e meurt à l'âge de 28 ans, celui qui devait être le 12e disparaît à l'âge de 5 ans, et c'est à partir de ce moment-là que commence ce qu'on appelle l'occultation mineure. C'est ce jeune enfant de 5 ans qui représente l'imam caché. Cette occultation mineure va durer plusieurs dizaines d'années, de 874 à 941. De 874 à 941 dure ce qu'on appelle l'occultation mineure. Pourquoi on l'appelle l'occultation mineure? Parce que cet imam caché, ce jeune enfant, va quand même avoir quatre représentants successifs qui lui permettent d'être en relation avec les croyants. C'est-à-dire, ce jeune enfant de 5 ans, l'imam caché, qui est toujours vivant, mais qui est caché, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Oui, oui. Il est vivant par ses quatre représentants qui, quelque part, continuent la filiation. Ils n'ont pas accepté ça, non? C'est-à-dire, en fait, il est mort, mais disons, il disparaît. Alors c'est compliqué parce que on ne sait pas s'il faut le prendre au sens premier du terme ou symboliquement. Il disparaît. À l'âge de 5 ans, il disparaît. On ne sait pas. Donc, il est à la fois mort et vivant puisque il n'est plus là. Mais
pendant l'occultation mineure, il va avoir quatre représentants qui sont ces canaux qui permettent aux fidèles d'être en contact avec lui. Comment on les appelle, ces quatre représentants? On n'a pas de nom particulier. Ce ne sont pas des enfants. Au dernier d'entre eux, cet imam caché leur ordonne, alors c'est pareil, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est dans, on ne sait pas trop, il ordonne de ne point se choisir de successeur, car maintenant est venu le temps de la grande occultation. Et c'est à partir de ce moment-là que commence cette histoire secrète du 12e imam, qui est là, c'est l'occultation majeure, hein, la grande occultation, c'est-à-dire il ne réapparaîtra plus, il n'aura plus de représentants sur Terre qui permettent de communiquer avec lui. Donc cet imam caché, ce 12e imam, donc vous voyez, il a eu une période visible de 5 ans, hein, et ensuite une période de manifestation à travers d'autres que lui, se termine donc en 940 avec la date de 940 ou 941, la grande occultation. Et donc cet imam caché est vraiment au cœur des chiites du Haut-Décimain jusqu'au jour attendu de la résurrection. L'imam caché ne paraîtra pas avant que l'on soit capable de comprendre jusque par les courroies de ses sandales le sens caché de l'unité divine. Ça, c'est un texte, très beau texte. L'imam caché ne paraîtra pas avant que l'on soit capable de comprendre jusque par les courroies de ses sandales le sens caché de l'unité divine. L'unité divine qui est évidemment un des piliers, hein, de l'islam et de la profession de foi. L'unité divine. C'est pour ça que, par exemple, pour les musulmans, les chrétiens sont ce qu'on appelle des associationnistes, puisque cette unité triple est quelque chose qui leur est complètement étrangère. Dieu est un, et un, c'est l'unité divine, et Mahomet est son prophète, mais pour eux, c'est une hérésie que d'avoir considéré la Trinité, cette notion de Trinité qui est pour eux tout à fait non acceptable. Donc ce sens caché comprend le sens caché de l'unité divine, et bien là l'espace est donné aux hommes, le temps de l'occultation, pour retrouver ce sens et donc être capable un jour de recevoir cet imam qui va ressusciter, de recevoir le Messie. Mais en attendant, c'est aux croyants de faire ce travail, hein, de connaissance et de cœur, puisque il est dit que ce sont les hommes eux-mêmes qui se sont voilés à l'imam, c'est-à-dire qui quelque part ne méritaient plus d'avoir un imam en chair et en os, et donc puisqu'ils s'étaient rendus eux-mêmes incapables de le voir parce qu'ils avaient perdu ou paralysé les organes de perception intérieure de cette connaissance par le cœur. Notion de rachat chez eux, de salut ou de rédemption, mais surtout d'avoir éveillé ou réveillé les organes de perception intérieure, c'est-à-dire essentiellement le cœur, la connaissance par le cœur. Pendant le temps de l'occultation. Et le jour où la communauté la Ouma serait arrivée au niveau de percevoir par le cœur, et pas simplement par la compréhension intellectuelle, mais par le cœur, cette unité divine, alors le Messie pourra revenir, il pourra mettre fin à l'occultation. Les juifs non plus, et les chrétiens non plus, puisque là, nous sommes toujours en attente de la parousie, nous aussi. Hein. C'est la parousie de l'imam caché, puisque c'est quand même complexe, hein. Il faut quelqu'un qui soit à la dimension des prophètes, disons, hein. c'est clair. Donc la parousie, ce qu'on appelle la parousie de l'imam caché, c'est la nouvelle apparition
hein, la révélation pleine, la parousie, c'est un terme chrétien hein, aussi, hein, c'est un terme évangélique, hein, la parousie de l'imam caché présuppose donc la métamorphose du cœur des hommes, c'est-à-dire qu'il faut que le cœur des hommes change et s'ouvre. Et jusque-là, c'est le temps de la grande occultation qui est le temps d'une présence divine incognito. Ça, c'est vraiment très très beau parce que c'est comme dans le judaïsme où Dieu se retire. Ein, hein, dans la Kabbale, vous avez Ein, Ein Sof. Bon, une fois que le monde est créé, il se retire. Et le se retirant, la responsabilité du maintien de cette unité divine, c'est la responsabilité humaine. C'est magnifique. Donc, ce que l'imam attendu n'apportera pas de nouveaux livres révélés, mais révélera le sens caché de toutes les révélations. C'est-à-dire, là, il y aura vraiment une manifestation, une révélation pleine et entière de ce qui est le cœur, hein, de l'unité divine et du rapport de l'homme à Dieu. Mmh. Révélation du secret divin assumé par l'homme. Ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est un verset du Coran qui dit « Nous avons proposé le dépôt de nos secrets aux cieux, à la terre et aux montagnes. Tous ont refusé de l'assumer. Tous ont tremblé de le recevoir. Mais l'homme accepta de s'en charger. C'est un violent et un inconscient. » C'est Dieu enfin, qui s'exprime hein, en disant bon on a un secret hein, on est quand même le mystère des mystères hein, on a cherché à qui on pouvait chez qui on pouvait déposer ce mystère, il n'y a que l'homme qui a accepté de se charger de ce mystère. C'est un violent et un inconscient, mais c'est un inconscient parce que peut-être que si l'homme avait été plus conscient il l'aurait refusé aussi et on aurait été quand même très mal. Mais c'est ça qui est intéressant dans le chiisme, j'insiste hein, dans ce chiisme originel, c'est que c'est le thème de la dignité de l'homme. L'homme est un être particulier dans la création parce que justement il a accepté ce dépôt divin et il doit en être digne. Vous voyez, c'est très très différent de cette notion de soumission à Dieu, enfin, souvent on nous dit comme étant hein, la principale caractéristique. Là, on a quelque chose manifestement d'ésotérique, hein, c'est-à-dire vraiment de responsabilité et de liberté, mais surtout de responsabilité. On a un dépôt, l'homme a un dépôt, le croyant a un dépôt qu'il lui faut maintenir, faire fructifier, pour pouvoir être à même de recevoir en conscience le message de ce fameux imam, donc du prophète. Et là sera clos, cette fois de manière définitive, le cycle de l'imam. Il n'y aura plus besoin d'imam, puisque chacun sera devenu, quelque part, un canal. Enfin, disons. Donc, c'est une vision, quand il dit violent et inconscient, c'est pas pour blâmer l'homme, c'est au contraire pour reconnaître d'une certaine manière son courage, oui. Peut-être inconscient, certes, mais quand même son courage. C'est la raison pour laquelle le cinquième imam déclarait, et tous les imams ensuite l'ont répété, « Notre cause est difficile. Notre cause est difficile, elle impose un rude effort. » Et là, j'insiste sur ce point, c'est la notion d'effort. Puisque comment se dit effort en arabe ? Se dit djihad. C'est-à-dire que, parce que là aussi, il y a beaucoup de raccourcis, le terme, l'étymologie de djihad, c'est l'effort du croyant, l'effort du musulman, pour justement se hisser, à ce niveau de compréhension par le cœur de la révélation. Donc, c'est une guerre intérieure. Ce que l'on trouve dans certaines sourates du Coran. Mais il ne faut pas aussi
se cacher, que aussi dans le Coran, vous allez trouver des sourates où le terme de djihad, là, n'est pas compris comme la guerre intérieure, c'est-à-dire une guerre en soi et combat intérieur, mais comme une guerre extérieure contre les juifs, les chrétiens, les infidèles, etc. Il y a les deux. Donc, il ne faut pas être non plus naïf, dans le sens de dire, ah ben non, le djihad, c'est la guerre fleurie, la guerre intérieure, magnifique. C'est aussi la guerre, le combat et le fait de tuer. Alors, chez les chiites, cette notion de djihad est avant tout intérieure et spirituelle. Sauf que maintenant, comme ils ont quand même vraiment laissé tomber leur peu fidèles aux origines, c'est devenu aussi la guerre sainte, enfin ce qu'on appelle la guerre sainte, qui est une guerre extérieure. Maintenant, oui, c'est-à-dire que maintenant tout est à peu près sur le même terrain. Oui, il faut aussi voir que les chiites ont de tout temps été persécutés. En tant que minorité, donc il est vrai que cette notion de djihad a pu aussi se transformer. Mais ce que dit donc cet imam, ce cinquième imam, notre cause est difficile, elle impose un rude effort, seuls peuvent l'assumer un prophète du plus haut rang, un prophète envoyé ou un adepte fidèle dont Dieu aura éprouvé le cœur pour la foi. C'est-à-dire, c'est une voie difficile, d'effort, une voie ascensionnelle qui demande, et ça on va le retrouver aussi chez les soufis, de sortir du sens évident des écritures, du Coran ou des textes pour aller chercher le sens caché, le sens plus intérieur et qui parle pas à la raison ou à l'intellect mais qui parle au cœur. Et donc il y a un mot pour ça, pour montrer ce côté peut-être ésotérique de la prophétie, qui est le terme Valayat, Valayat, W-A-L-A-Y-A-T. La Valayat, c'est l'ésotérique de la prophétie. C'est-à-dire qu'on a eu des prophètes, on a eu le dernier prophète Mahomet qui a expliqué un certain nombre de choses. Bon, mais il faut décoder, il faut interpréter, il faut voir le côté caché, là aussi, de ce qui a été dit. Donc l'idée de Valayat suggère essentiellement la direction initiatique de l'imam qui initie au mystère, disons, de la doctrine. Ah, c'est vrai que là, on a un élément assez proche entre le chiisme et le soufisme. Parce que souvent on dit le soufisme, c'est l'ésotérisme de l'islam. Bon, mais le chiisme aussi. Et cette notion de chemin, de voie ascensionnelle pour sortir du sens évident et aller au sens caché, l'autre face de la monnaie. Donc la Valayat, ça englobe l'idée de connaissance et d'amour. Une connaissance qui est par elle-même une connaissance salvatrice. C'est-à-dire, oui, c'est un élément pour sauver ou se sauver, pour avoir une rédemption, disons, par rapport à toutes les faiblesses, les petitesses, les passions, tout ce qui nous enchaîne. Donc, le texte du Coran à lui seul ne suffit pas, car il a des sens cachés, des contradictions, des profondeurs ésotériques, et il faut donc un guide indispensable pour faire découvrir ce qui est caché. Donc l'imam, c'est pour la communauté chiite ce que le cœur est pour l'organisme humain. Donc cette figure de l'imam, elle est évidemment très importante. Comme pour les soufis, ce sera la figure du cheikh, c'est-à-dire du chef, du responsable de la confrérie. Donc on peut dire que la pensée chiite a pour mission la persistance, la sauvegarde du sens spirituel de la révélation divine, son sens caché, ésotérique. Alors, le chiisme a traversé, à travers les siècles, les épreuves, les vicissitudes et toutes les persécutions
que connaissent en général les minorités religieuses. Et donc cette minorité, elle a vraiment survécu grâce à cette conscience d'être le témoin du vrai islam. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir, nous, avec notre réforme au sein du christianisme. C'est-à-dire que, et étant persécutés, c'est vrai que ça a renforcé chez les chiites le fait d'être les détenteurs du véritable islam, hein, de celui qui est fidèle à l'enseignement des saints imams, dépositaire du secret de l'envoyé de Dieu. Et il est vrai que la figure du prophète est souvent passe en arrière-plan, hein, par rapport à cette figure des imams. Mais ce côté ésotérique, tel qu'on l'entend dans la parole, c'est qu'elle a duré quand même. Alors que si on prend par exemple les chrétiens, nous, la pensée ésotérique, elle a été... Elle est très marginale. Alors, eux, ils ont continué quand même. Oui. Alors, oui. Enfin, disons, ils ont été très violemment persécutés, hein, puisque et puis il y a, c'est vrai, quand même une histoire très violente. Et les soufis, vous avez beaucoup de soufis aussi qui ont été persécutés, tués. Enfin, disons, côté nous, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est gentil, quoi. Vraiment, c'était très, 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 très violent. Mais ça a perduré, oui. Et ça a été le grand apport d'Henri Corbin, hein, qui a fait redécouvrir à l'Occident, qui ne connaissait pas, ce schisme iranien, avec tout ce volet ésotérique, qui était absolument pas connu. Pendant longtemps, on ne connaissait l'islam que par le sunnisme. Alors, là, il y a une petite variante entre les deux courants. Chez les ismaéliens, il y a la préséance fondamentale de l'imam sur le prophète, carrément. Les imams sont les garants, hein, de la révélation et éclipsent la figure du prophète. Chez les ismaéliens, il y a vraiment une lecture vraiment ésotérique qui domine. En revanche, la position chiite du haut des Cimènes s'est efforcée de garder l'équilibre. Hein, donc c'est beaucoup plus équilibré entre le côté ésotérique et le côté exotérique, les imams et le prophète. Puisque comme ils disent, tout exotérisme qui ne s'appuie pas sur un ésotérique est en fait une infidélité, mais tout ésotérique qui ne maintient pas simultanément l'existence de l'exotérique est libertinage. Donc, ils essaient de garder l'équilibre. C'est un peu ce que feront aussi les soufis, en reconnaissant qu'il y a un minimum de choses à respecter du domaine de la foi exotérique, et en même temps, une liberté, justement, pour transgresser certaines lois ou certains codes. Mais il y a quand même un minimum. C'est pour ça que même les soufis vont reconnaître les cinq piliers de l'islam. Mais ils vont le vivre autrement. Ils vont le vivre de manière plus intériorisée. Et c'est aussi le cas des chiites qui sont moins poreux par rapport à la mondialisation et au consumérisme actuel. Alors, ces 12 imams fondateurs, hein, donc dans le schisme duodécimain, forment ce qu'ils appellent le plérôme de l'imama. Le plérôme de l'imama, ça c'est vraiment un mot qui relève de l'ésotérisme, c'est-à-dire la totalité. Bon, c'est 12, mais ça ne pouvait pas être autrement que 12 imams. Le nombre 12 indique pour eux l'idée de totalité. Les 12 signes du zodiaque, les 12 sources jaillies du rocher frappé par le bâton de Moïse, les 12 mois de l'année, enfin vous avez pas mal d'éléments évidemment associés au nombre 12. Et le prophète Mahomet aurait dit « Que Dieu prenne soin après moi de Ali et des héritiers de ma postérité, car ils sont les guides. » C'est-à-dire là, évidemment, il y a aussi une filiation reconstruite, enfin en tout cas évident, entre les 12 imams et le premier imam Ali et donc
le prophète, et que c'est le prophète lui-même qui aurait quelque part annoncé. Bon, évidemment, c'est de là aussi dont les chiites tirent la légitimité de leur croyance. Dieu, c'est ce qu'on fait dire aussi aux prophètes, Dieu leur a donné ma compréhension et ma science, ce qui veut dire qu'ils ont même rang que moi quant à ce qui est d'être digne de ma succession et de l'imamat. Alors, est-ce que le prophète Mahomet a vraiment dit ça? Évidemment, on ne sait rien. Ce qui est important, c'est de voir comment les chiites assoient cette légitimité, puisque le prophète Mahomet aurait lui-même désigné ses successeurs, qui sont les imams. Tous les imams, ça c'est un auteur qui le dit, tous les imams sont une seule et même lumière, une seule et même essence, exemplifié en 12 personnes. Vous voyez, il y a cette idée d'une unité qui s'exprime à travers 12 personnes. Ça, c'est, pour eux, c'est quand même l'unité divine. Ça ne remet pas en cause l'unité divine. C'est pas comme pour la Trinité chrétienne où, et vous savez que ça a fait de multiples controverses, pour connaître, pour savoir exactement quel était le statut du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est trois en un? Est-ce que c'est un en trois? Enfin bon, vous connaissez la querelle du filioque qui nous a accaparé quelques siècles. Mais là, c'est une unité divine qui n'est pas remise en cause, mais 12 canaux, qui en même temps font un. C'est pour ça que pour les duodécimains, c'est 12. Enfin, ils sont très très attachés à cette succession des 12 imams. Alors, pour compliquer un petit peu les choses, il faut savoir aussi qu'il y a encore d'autres courants au sein du chiisme. J'en citerai qu'un, parce qu'on en parle aujourd'hui, à propos de la guerre au Yémen. Ce sont les Zaïdis, Zaydis, les Zaïdis, alors qui, eux, se séparent du tronc commun à la succession du quatrième imam. Donc là, ils font sécession avant les Ismaéliens, à la succession du quatrième imam qui, lui, meurt en 714. Et là, ils vont tenir pour imam légitime tout descendant de Ali, capable de mener une insurrection. Donc là, ce sont des rebelles, les Zaïdis, puisqu'ils veulent défendre leur minorité religieuse. Et ces Zaïdis, ils existent encore aujourd'hui. Ils sont essentiellement présents au Yémen, donc, où ils forment à peu près la moitié de la population. Et à l'intérieur de ces Zaïdis, il y a une branche rebelle insurrectionnelle, qui sont les Houthis, H-O-U-T-H-I-S, qui sont aujourd'hui même appuyés par l'Iran, par le Hezbollah libanais aussi, et c'est eux qui sont aujourd'hui persécutés, pourchassés par la coalition sunnite menée par l'Arabie saoudite. Donc au Yémen, on en parle sporadiquement, mais il y a une guerre fratricide entre les Houthis et la population sunnite du Yémen. Et ils sont, ces Houthis, ces rebelles chiites, sont extrêmement persécutés. Il y a des milliers de morts presque chaque jour, dont on parle peu, mais c'est une guerre absolument terrible au Yémen, où il y a comme en Syrie ou en Libye, les grandes puissances qui appuient les uns ou les autres. Alors, pour finir, ce qu'on peut dire, c'est qu'au XVIe siècle, ce qui s'est passé, et ça, c'est toujours assez grave pour la suite, c'est que le chiisme duodécimain, donc le majoritaire, est devenu religion officielle de l'Iran, qui est le principal pays chiite. Religion officielle de l'Iran. Et qu'est-ce que ça veut dire, religion officielle? Eh bien, ça veut dire que là, de nouveau, enfin, collusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Donc, en Iran, on peut situer le début de l'éloignement aux origines du chiisme. On peut le situer là, quand il devient religion officielle. Et il y a à ce moment-là un clergé qui se met en place. Et ce clergé, il ne va plus avoir
un rôle seulement spirituel, mais un rôle politique. Et c'est le début de la fin, enfin, de manière un peu caricaturale, mais c'est là où vraiment le schisme va se retrouver sur le même terrain que les sunnites, et avec cette guerre fratricide. Oui. Il y a eu une parenthèse, mais relativement courte. Et le problème, c'est ça qui est terrible quand on voit les problèmes d'aujourd'hui, c'est que ces changements, et en Turquie, c'était pareil, ces changements sont tellement violents et tellement radicaux, hein, ce qu'on voit même avec ce qu'a fait Atatürk en Turquie, c'est tellement violent pour instaurer, lui, une laïcité radicale, que... Il y a un sentiment de persécution, d'injustice, d'humiliation, de ressentiment, et qui ensuite, c'est un enchaînement, c'est terrible d'assister à ça, parce qu'on est très impuissant, mais c'est vraiment un enchaînement sans fin, ce qu'on voit aussi au Moyen-Orient, en Palestine, où il y a quelque chose de sans fin, parce que c'est les anciens victimes qui deviennent bourreaux. Et donc ce qu'a fait quelque part le chat, qui pouvait avoir de bonnes intentions, ça n'a fait que cristalliser et laisser la place à l'avènement de l'ayatollah Khomeini. Donc c'est un long processus, en fait, à partir du XVIe siècle, un long processus qu'on appelle de juridisation, ça se rapproche en fait de la vision sunnite, de politisation du chiisme, et c'est ça qui peu à peu a rendu possible, de la part de l'imam Khomeini, justement, cette théorie de la souveraineté absolue du juriste théologien, c'est-à-dire qu'il est arrivé à inscrire ça dans la Constitution. C'est pour ça que c'est important, les constitutions, est-ce qu'on y met ? Parce qu'après, on peut difficilement faire marche arrière. Donc, dans la Constitution de la République islamique d'Iran, il y a aujourd'hui cette souveraineté absolue du juriste théologien que l'ayatollah Khomeini a vraiment mis en place et que ses successeurs ont perpétué. Et oui, enfin, c'est encore autre chose, parce que là, c'est l'ayatollah, il y a aussi le guide suprême, qui lui a plus la responsabilité religieuse, qu'on connaît moins. Mais il a son rôle. Il n'est pas trop caché, mais il mène les ficelles. Et donc, avec cette réforme, le chiisme s'est évidemment beaucoup éloigné du chiisme originel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chiites et sunnites combattent à peu près sur le même terrain. Bien sûr qu'il y a une origine religieuse, mais qui est surtout sur un terrain politique et économique, du pouvoir politique et économique. Qu'est-ce qu'il y a exactement actuellement dans la constitution de l'Iran ? Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Eh bien, c'est le pouvoir, c'est la notion de souveraineté absolue du juriste théologien qui est l'ayatollah, qui est à la tête de cette république islamique. Donc en fait, il y a un partage des pouvoirs entre le guide suprême et l'ayatollah, mais... et on l'a bien vu, hein, quand c'était Ahmadinejad, qui était quand même assez virulent. Là, oui, on parle de l'instauration d'une loi extrêmement rigoriste. Il y a une traduction d'ayatollah, ça veut dire quelque chose ? Le guide. Oui, oui, le guide aussi. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? C'est complexe, parce qu'il y a, depuis quelques siècles, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la situation, elle est aussi... C'est très, très, très complexe. Parce qu'il y a... C'est vraiment un maillage de... Par rapport à Israël, les sunnites et les chiites ont le même comportement, ils ont la même haine d'Israël. Mais tous les sunnites n'ont pas la haine d'Israël, et tous les chiites n'ont pas la haine d'Israël. Donc... C'est des extrémistes.
terroristes. Bien sûr, bien sûr. Vous avez le Hezbollah libanais, vous avez le Hamas, vous avez différents courants qui recouvrent encore des réalités très différentes. Mais c'est vrai que quand Ahmadinejad disait fin à l'État d'Israël, c'était caricatural. Non. Mais ce n'est pas forcément une opinion partagée par tous les chiites iraniens. Hein. Et le soufisme, alors, dans tout ça? Alors, le soufisme, c'est la semaine prochaine. Et le soufisme dans tout ça, eh ben, c'est jeudi prochain. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Et eux, ils ont eu la chance, ils ont été persécutés par tout le monde. Non, ce que je voudrais dire simplement en conclusion, c'est que malgré cette déviation juridico-politique du chiisme, depuis quand même quelques siècles et qui aujourd'hui se voit, ça demeure quand même un milieu d'études et de discussions permanentes, tant sur les questions théologiques que sociales ou politiques. C'est-à-dire qu'il y a dans les institutions chiites cette volonté, plus que dans le sunnisme, de revenir aux sources des écrits, notamment du Coran, pour le rendre plus actuel, comme on dit. Mais en tout cas, ce n'est jamais fini, ils n'ont jamais fini d'interpréter les textes et de revenir aux sources. Hein. Ça, c'est quand même la marque, je dirais, de fabrique du chiisme, par rapport à, quand même au rigorisme et au littéralisme sunnite. Mais bon, faut dire aussi aujourd'hui que tout ça est quand même assez mêlé et disons que le côté religieux est masqué, et vraiment est récupéré par des enjeux économiques. Économique, parce que qui a le pouvoir économique? Donc, on appelle quand même aussi le concept que la fin justifie les moyens. C'est quand même la seule religion où ce soit le cas. Non, je dirais pas ça. C'est ce que tu dis est trop général. C'est-à-dire, attention aux généralisations. Alors après, chacun. Non, moi, je suis pas musulmane, je défends pas l'islam particulièrement, j'essaie de le comprendre. Mais il faut faire très attention aux anathèmes, aux généralisations, dire les musulmans, ou dire les chrétiens, ou dire les juifs. Il faut faire, je crois, particulièrement aujourd'hui, très attention à cela, parce que la majorité des musulmans, ils veulent vivre en paix. Et on ne peut pas non plus... Ah oui, les gens... quand même les sommités religieuses, celles que les imams et les recteurs, etc., même... la peste, je veux dire, partent quand même de ce principe-là. Ils le disent et ne s'en cachent pas. Il n'y a que les écouter dimanche matin à la télévision. Les instances pensantes religieuses musulmanes le disent clairement. La foi justifie les prières. C'est la seule religion, où ce soit. Voilà, après bien entendu que celui qui est en train de se prendre des bombes sur la... Alors, moi, c'est pour ça que j'ai insisté la semaine dernière et encore tout à l'heure sur ce phénomène de mondialisation. Parce que ce qu'on entend, c'est ceux qui ont le pouvoir des médias. Donc, on ne peut pas juger l'islam sur les pseudo-prédicateurs qu'on voit à la télévision. Parce que sinon, on dirait, le christianisme... c'est les prédicateurs évangélistes qui disent absolument n'importe quoi sur la Bible, et pour eux aussi la fin justifie les moyens. Écoutez certains prédicateurs américains évangélistes, vous allez avoir les cheveux. Ah, mais c'est différent. Déviation, c'est différent. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit si différent. Vous savez, au nom de Jésus, on a tué combien de monde? Et les procès en sorcellerie et l'inquisition, bon, on a oublié parce que c'est le Jésus. Donc, et vous lisez, comme je disais la semaine dernière, vous lisez quelques passages du Lévitique, c'est terrifiant de violence. Donc, moi je crois que plutôt que de faire le procès d'une religion par rapport aux autres,
il faut étudier, et il faut surtout faire la distinction entre ce qui est l'explication exotérique, qui là est effectivement le jouet des ambitions politiques, économiques et surtout du pouvoir politique, avec la dimension plus spirituelle, plus intérieure et que l'on trouve dans toutes les religions et de manière simplement aujourd'hui les spots sont sur les extrêmes, et c'est là où il faut faire très très attention à ne pas emboîter le pas des personnes que l'on entend à la télévision, dont on lit les paroles dans les journaux, parce que ce sont les extrêmes. C'est pour ça que parfois on dit mais où sont les intellectuels, et parce qu'il y en a. Et je vous assure, dans les rencontres d'Averroès il y a quelques années, ils venaient. Et voilà, donc, bien sûr, simplement, ils n'ont pas le pouvoir des médias. Et c'est pour ça qu'on assiste à une désacralisation de cette religion comme les autres. Comme les autres. Les musulmans, ils sont quoi? Ils sont sunnites aussi? Oui, sunnites. Sunnites.